بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chapitre 339, باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه. Chapitre qui est makruh, qui est détestable, pour qui un jimoun yal fait namaz alors qu'il met manger devant lui et il puis envie manger là. Donc il est capable de prendre faim ou soit il est capable de manger qu'il est extra content, il met manger là, il arrive là namaz. Si pas jamat peut du goût, alors il peut extra envie manger là ou soit il peut extra gain faim. Ça l'est là, il est makruh pour yal fait namaz. Il vient manger avant. Ou مع مدافعة الأخبثين، ou soit dans l'état côte les petits, مدافعة ici veut dire repousser, mais dans nos langages on dit tini. الأخبثين veut dire dès quelque chose impur, ça veut dire l'appel de la nature. Les pégins faut uriner, les papiers aller, les pégins la selle, les papiers aller, qui fait parce qu'il arrive les namaz, les peuvent faire namaz avant. Dans ce cas-là, son namaz vient makruh. Les visages toilettes avant. Sous l'âge lui-même, faire oiseau, là, elle fait son namaz. Alors, hadith 1755. An Aishata, radiyallahu anha, qalat, rapporté par Umul Mu'minin, Sayyidatuna Aisha, radiyallahu anha, le dit, Sami'atu Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, يوم فنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Pena namaz dans présence manger. Littéralement mon traduit. Ça pas veut dire qui comme a mangé une ville n'a pas rien droit faire namaz, non. Ça veut dire qui les détestables les makruh dans un moment que moi mon explique je t'allais là manger une devant du monde là puis envie manger ou soit il paye un faim mais ça l'est là il a fait namaz, il quitte manger il a fait namaz, ça namaz là il makruh. Et non plus quand l'ipé repousse l'ipé tini à l'akhbathain comme moi mon explique je, ça veut dire l'ipé gagne l'ipé besoin de toilette alors l'ipé tini l'ipé préfère pas le faire namaz avant. Alors il y a beaucoup cas de figure que ça arrive. Normalement, quand il fait namaz, dans sa bonne condition-là, son namaz vient makruh. Son namaz, pour compte, son namaz vient makruh. Il y a une petite minorité, ben, au lama, dire que son namaz, par contre, il faut besoin de faire. Qui fait? Parce que la raison principale qui fait, un dimoun, il a besoin de faire, elle répond à son besoin avant, qu'il ait toilette, ou soit qu'il ait besoin de manger. Après, il fait namaz, parce que quand il fait namaz, il a besoin de faire namaz avec khushu. C'est un affaire important qui est dans le namaz, nous les a expliqué là. Alors, si nous avons expliqué simplement, c'est une présence d'esprit, c'est une présence l'équerre, c'est une concentration dans ce qu'il nous peut faire, c'est un, comment dire, en même temps, nous peut enjoy le namaz là, nous peut faire des affaires bien comme on a besoin, et nous concentrer dans nos namaz, nous orienter vers Allah, mutawajjihan, l'orientation est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas qui est dans les affaires qui peuvent fatiguer nous la tête. Quand on dit monde d'attraca, alors sur la tête fatiguée, quand il fait namaz, sur la bouche peut lire ce qu'il peut lire, mais sur l'esprit ailleurs, sur le cœur ailleurs. Comme ça même, un dit monde qui peut gagner une faute toilette, un dit monde qui peut viser la toilette, il peut tini, alors son namaz, définitivement, il n'est pas pour pareil. Son namaz, pas pour pareil. Sur l'écho, disposition sur l'écho, pas pour pareil. Il peut envie, il peut une tendance pour finir vite, vite, pour y aller. Ah ben ça namaz là, nous imaginons qui a été namaz l'été ça. Les béfali mécaniquement, les béfali zis à cause des bisans faire. À cause ça, ben ulama dit, et là cette petite minorité là dit non, ça namaz là pas bon ça. Les pouvoirs de faire. Mais la très grande majorité dit non, namaz là compte. Mais seulement qui a été namaz ça. Il y a une namaz qui makruh. Pareil, un dimanche qui paye un fin, sur ventre peut grogner. Alors surtout qui ce moment là. Il met manger devant lui. Ça ne veut pas dire qu'il namaz qu'il fait dans faim makruh, non. Si un dimon rosa, il peut faire namaz pas makruh. Si un dimon il faim, alors qu'il peut dans nous. Personne ne peut pas manger. La famine. Il a besoin de faire namaz bien, donc ce namaz pas makruh. Mais c'est moi, il peut faire, il met manger devant lui. C'est moi, il peut quitter pour le faire namaz. Si ça l'est là,
peut crier, ouais, nous peut faire jamat là. Donc, bien là, nous besoin ravise nous-mêmes. Attention, et nous mangeons, qui nous mettons la table. Nous mangeons avant, après nous faisons jamat. Ou soit nous planifions l'autre façon, quand nous partons de namaz là, comme ça. Enfin, et nous avons dit, nous assez intelligent pour planifier nos affaires là, pour que namaz ne vienne pas macro. Et une fois dans une place, quand il y a beaucoup de monde, si pas inassisé, il fait un programme, il y a un bayan, tout ça là. Un long bout de temps, quand il y a inassisé, il arrive le namaz. Il y a un bout de temps pour faire namaz. Alors, à ce moment-là, il est wise, il est sage, pour donner un petit moment à Moussali. Attention, dans ça, le temps qu'il est inassisé là, il y a un bout de temps pour faire namaz. Il y a un bout de temps pour faire namaz. Il y a un namaz, de suite comme ça. Donne du monde un petit peu le temps. Attention, ce namaz vient de macro. Alors, il y a une place qui se fait. Quand il n'est pas dans masjid, quand dans masjid, il y a un jamat, un seul jamat, mais quand il n'est pas dans masjid, il y a une autre place. Et là, il y a certains machaïfs qui ont fait, je dis, ok, nous pouvons faire namaz, du bout là. Ben, du monde qui a fait ce là, je te fais. Ben, du monde qui n'a pas fait ce tinja pour faire oiseau, allez, je te fais un deuxième namaz, un deuxième jamat. Comme ça, personne son namaz ne vient pas macro. Donc, ça, élément trop chaud là, les besoins là. Comme ça, alors, pas juste toilette. Pas juste manger, mais n'importe qui, quelque chose qui me connaît ça, les coups fatiguement là. Pourquoi vous faire namaz avec ça? Comment il y a riwayat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit un dimon quand il peut extra sommeil, il n'est pas capable de tenir, ça l'est là pas faire namaz. Al dormi, al reposer. Repose un petit. Un dimon par exemple, il peut faire ibadat dans la nuit, il peut passer la nuit, il arrive tard dans la nuit, il fait beaucoup. Là, il n'est pas capable de tenir, il peut casse coup. Mais qui namaz il peut faire là? Qui a été namaz il peut faire? Ce namaz pas pour bon. Même si namaz là pour compte. Al dormi, reposer, lever, faire un bon namaz avec chaud. Comme ça encore, n'importe qui dans les autres circonstances qui est là, qui nous connaît, les pour venir gâter nos namaz, nous connaît, les pour faire nos namaz, venir un namaz qui pas et un chaud là-dedans. Alors, nous finis occupe ça quelque chose là avant, nous libérons nous-mêmes, nous libérons nous les corps, nous libérons surtout nous l'esprit, nous les cœurs, nous faisons namaz. C'est là une exception, et un moment, quand, malgré situation, malgré qu'il nous ait faim, ou soit malgré qui mangeait une mettre là, ou soit malgré qui nous fait bien bizarre à la toilette, nous obligeait à le faire namaz avant. Par exemple, une situation, quand les namaz puis aller. Si mon papa fait namaz, c'était la même là, les namaz pour aller, moi pour rater namaz. L'exemple, un dimon une sortie. Une sortie pendant beaucoup de temps, il n'a pas fini pour la toilette. Il n'a pas joué. Moi, je dis, ah, parce que beaucoup fois arrive ça, beaucoup de dimon. Dimon là, il n'a pas joué une sortie. Avec l'espoir qui, je suis pour sortir pour arriver à la namaz, mais je suis pour faire namaz. Ça veut dire que les gens sont oiseaux pour faire namaz parce qu'il est difficile pour faire oiseaux, peine à moyen pour faire oiseaux. En même temps, peine à moyen pour la toilette. Là. Pour la toilette, il implique des affaires qui sont compliquées. Les namaz, puis aller. Qui le fait là? Il connaît là, c'est pour la toilette, il pour une difficulté pour faire oiseaux. Tout ça, le temps qui s'en prend là, il pour rater namaz. Dans ce cas-là, malgré l'envie à la toilette, malgré son namaz pour venir macro, il pour bien faire namaz là parce qu'il pour rater un faraz. Alors vaut mieux nous faire un macro qu'il nous rate un faraz qui est un grand péché. Dans ce cas-là, bien faire namaz là. Il y a beaucoup de cas de figure comme ça. Par exemple, nous payons le mayat et nous payons besoin de la toilette. C'est moi nous payons parce qu'il nous payons le mayat. Alors nous pouvons trouver qu'il y a une toilette là. Quand tu cavales dans la toilette, je fais oiseau, après je joue namaz janaza. C'est moi qui trouve tout le monde infini, je vous dis, imam, je peux crier, est-ce que je te parle, qui me fait là? Si je prends la toilette, je prends tout. Alors là, je rentre dans namaz, là, je fais lui, quand je finis, là, je prends la toilette. Donc, nous avons servi comme un sens beaucoup. Là, qui nous comprend un principe, nous comprenons, nous dînes qui dit à nous là, nous comprenons la cause derrière, nous comprenons l'état d'esprit derrière, hein, ça, l'esprit qui est là derrière ce ben règlement là. Les là nous appliquent les dans nos la vie tous les jours pour qu'ils nous fassent nous namaz par une macro et pour qu'ils nous fassent une façon qui nous pas rate dans rien qui faraz. Donc nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala de nos compréhensions nous dit de faire qui nous ban ibadat qui vient meilleur, qui améliore jour après jour, qui fait nous un show. Nous comptons faire ce ibadat, nous enlever les, nous enlever ce ibadat, plus qui nous enlever quelque chose qui fait nous content dans le dunya et que Allah subhanahu wa ta'ala. Pas faire nous faire une ibadat qui m'approuve, mais qu'il fait nous faire une ibadat qui est accroché là-dedans et qui nous rapproche avec lui, subhanahu wa ta'ala. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne, wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad.
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.